Ma famille se réveille, debout ma maman, debout mon papa. Ma famille se réveille, la journée commence avec des merveilles. Qui es-tu ? Je suis un caillou. Un caillou qui parle. Yes, how are you ? C'est Tina qui nous a dit qu'on pouvait empoisonner les abeilles. C'est Tina, la fille de Margaret. C'est Margaret, le prénom de Thatcher. C'est Thatcher qui a choisi le nom de ses enfants. T-I-N-A. There is no alternative. Qui suis-je? Je suis Brigitte, la pensée positive. Alors, me dit, qu'est-ce que c'est que ça, Brigitte, la pensée positive? Eh bien, moi, je vous réponds que c'est une méthode simple qui donne accès à quoi, à quoi, à quoi? Quoi, quoi, quoi? C'est un canard, non? C'est Brigitte. À la messe, on se mettait des chardons dans le cul pour faire mal au curé. Oh. On se doutait pas que ton oncle Robert aussi aurait mal. Dans le port d'Amsterdam. Vous êtes beau, c'est vrai, vous êtes... Ou peut-être pas tous, mais vous êtes sympathiques, vous êtes tous sympathiques, ça va. Il y a quand même une question qui me passe à travers les frites. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je m'étonne, François, que ton séminaire de management à Courchevel s'éternise curieusement. Oserais-je imaginer que la présence de Agneta, ta nouvelle recrue suédoise, oui, Mathilde m'en a parlé, y soit pour quelque chose dans ton amnésie paternelle. Alors écoute-moi bien, François, figure-toi que moi aussi j'ai une vie sentimentale et sexuelle. Plus intense et épanouie que jamais, et qu'accessoirement, Lola voudrait voir son papa. Alors, si tu voudrais voir ton papa. Je vais offrir un beau rubis, une très belle pierre. Ça lui a tellement plu que le soir même, on a fait l'amour. Et moi, au matin, encore porté par la ferveur et les émotions de la veille, j'ai voulu retenter ma chance, vous voyez. Elle m'a dit quoi, mon chéri? Encore? Elle dit oui, ma chérie. Une pierre, deux coups. Vous voyez? Eh bien, j'en rage. Figurez-vous qu'en cet instant, j'aurais une femme, un ménage. Si j'avais été bien porté. Je sais pas s'il y a des fans de cyclisme parmi vous ce soir. Moi j'ai jamais compris l'engouement par exemple qu'il y a chaque année pour le Tour de France. Vous savez, pour regarder des mecs pédaler pendant 4-5 heures. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a qu'au Tour de France que les gens sont heureux de voir des caravanes arriver dans leur ville.